Salut séant. Oh et voici Captain Flair de l'ESCEP, plus connu sur le nom de champion Master, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni No Kuni 2. Dans la dernière vidéo, nous sommes rendus dans cette pièce après avoir résolu les énigmes pour chercher les Mimolites. Maintenant, allons faire la suite. L'ascenseur droite devant nous mènera directement au réacteur à fission néo-magique. Blimey. Qu'est-ce que... On se réveille que Victor sait que nous sommes là. Et voilà. On peut dire qu'il nous a envoyé l'artillerie lourde. Alors vite libérer Victor de cette aura magnifique. Disons que... J'ai dû m'entraîner un tout petit peu. Parce que je l'ai fait la vidéo puis... J'ai dû m'entraîner un peu parce que j'avais pas le niveau. Hey. Vous
vous avez manifesté, réussi à passer la sécurité et la méca usine, il va falloir que je la renforce. Nous sommes simplement venus vous montrer quelque chose. Quoi? Saisis les molettes. Il est temps de te souvenir du passé, Victor. Can't wait to get the crystal battery up and running. This thing's gonna be a game changer for the energy business. The technology we build here today will make a better tomorrow for everybody. I can feel it. Someday soon, the world will finally understand my vision. We're not giving up until that day comes. Hey, hey, I couldn't have done it without you guys. This was a team effort. Don't forget that. I know I won't. Soon, we'll be the biggest and best this world has ever seen. Just one last push. Are you with me? I don't. There's one last memory I want to show you. Please. You have to remember who you used to be. You have to bring the old Zip back. So I stayed up all night making this for you? How about that, huh? A custom leg made just for you by the world's greatest engineer. You're gonna love it. This isn't my leg. I want my leg. I want my... No, I get it, Bracken. I get that you're upset, but... We're engineers. We solve humanity's problems. We use technology to help people. That's our purpose. That's what we do. Now, do you really want a little thing like this to stop you from fulfilling that purpose? We solve humanity's problems, and we solve each other's too, right? You lose a leg, I make you a new one. I lose a hand, well, you know, I hope you do the same for me. Oh, Zip. And this leg, it's not just a machine. I put my heart and soul into it. It's a part of me. Thank you. Hey, I'm your boss. It's my job. I... Look, Zip, look at it! You've seen the things we can do these days. I could have upgraded it. I could have gotten rid of the leg you made me. But I would never do that. This leg... This leg is what gave me the courage to carry on. What got me where I am today. You were the best engineer, the best boss, the best friend anyone could have. You had a good heart. The best. You have to remember. You have to. Yeah!
I remember now. I remember everything. What have I done? Zip, it's you, isn't it? The real you. You're back. Bracken, I'm so sorry. If it wasn't for you, I don't think I ever would have remembered. Everything's shaking! Oh no! Bastion! Il recommence à attaquer la ville. C'est pas bon du tout. S'il continue à se déchaîner comme ça, il risque d'endommager le réacteur et de le faire exploser. Et si le réacteur explose, c'est tout mes cabots qui seraient détruits ensemble. Quoi? Mais il faut l'arrêter le plus vite possible alors. Colosse possède une capacité de camouflage optique. C'est impossible de le retrouver sur nos écrans de sécurité, mais mon radar énergie détecte sa présence au sommet de cette tour. On peut s'y rendre avec l'ascenseur qu'on a utilisé pour venir ici. Dépêchons-nous d'y aller. En même temps, je vais en profiter pour enregistrer. Ouais. Ouais. Blimey! Oh non. Well. Ce n'est pas possible. Oh non. On ne peut plus monter sur le toit maintenant qu'on ne peut plus accéder à l'ascenseur. Calmez-vous. Il ne faut surtout pas paniquer. Il doit y avoir un autre moyen de l'atteindre. Aha. Je crois que j'ai une idée. On pourrait créer un puissant champ de force lévitationnel en redirigeant toute l'énergie vers le tube de compression du réacteur. Rediriger l'énergie vers le tube de compression. Oui, ça permettrait de créer une réplique continuelle des rayonnements G et de matérialiser une consistance physique à la lumière du réacteur. On devrait pouvoir créer un escalier pour monter sur le toit. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir une idée aussi géniale dans un moment pareil. On ne t'appelle pas l'ingénieur sur tout et pour rien. Mais si jamais on fait ça. Ne t'inquiète pas, je sais. Il va falloir vérifier que cette théorie fonctionne avant de me féliciter. Attention all team members, I need you to channel all available power into the reactor's high pressure inlets right now. But President Vector, they weren't designed to take that kind of punishment. And you know what that means better than anybody. The reactor will go critical and the core will fuse.
In other words, we'll wind up with the world's most expensive hunk of junk. You sure about this, Zip? She's your baby. It's that, or risk the lives of every person in this country. You think I'd hesitate for even one second? I'm the executive director of this company and the leader of this nation. Nothing is more important than my people. So flood the damn tubes! That's an order! Yes, sir. For Broadleaf. Henrietta affichant néo-magique a atteint le seuil critique. Toute son énergie est concentrée dans le tube de compression. On travaille maintenant et vite vous mettre à l'abri. Assurez-vous que tous nos habitants soient en sécurité. Mais le réacteur est dans un état extrêmement instable. Nous devrions peut-être rester pour tenter de... Je peux très bien le stabiliser moi-même si c'est mon invention. Mais tout seul, c'est... À qui croyez-vous parler? Je suis le grand Vector. Je sais ce que je fais. Dans ce cas... Je veux faire en sorte que tout le monde soit à l'abri. Faites attention à vous, Spirza. Comme vous le savez, je dois rester ici pour garder le réacteur stable le plus longtemps possible. Le moindre erreur provoquerait une explosion fatale, mais je vais tout faire pour qu'on évite une catastrophe. Alors allez vite maîtriser Colosse, je compte sur vous. D'accord, superviseur Vector. Come on! Allez, montons vite sur le toit. Bon, allons-y. Sans avoir enregistré. Je peux pas enregistrer en plus. He's gotta be around here somewhere. Shall we? Go for the legs, Evan! The legs! The only way to take-
think it's... Not so fast. Your judgment is mine! C'est de pire en pire. C'est fichu, il va falloir qu'on... Non. Evan. I understand now. A leader must be willing to give his life to protect his people. That's what Zip is planning to do. But I'm not going to let him. Not now. I won't run away. Not again. Not ever. Oh, Evan. Oh, flipping Eggman, I am buzzing. Here goes nothing. Le quartier des fans. Lofty, is it really you? Amazing! You're amazing! Bastion doesn't stand a chance! Go on, Lofty! Show us your true power! Hey! I need your help! Aha! Used to being big and long and handsome again. Knickers! Je crains effectivement que votre transformation ne fût que transitoire. Exactly. Oui, c'est juste un état temporaire. Il semble que la détermination d'Evan ait renforcé votre spiritua. C'est probablement grâce à ça que tu as pu temporairement retrouver la véritable apparence. What? Mais attendez! Ça veut dire que plus Evan grandit en tant que roi, plus je vais récupérer ma force! Evan, grouille, toi de devenir plus royal à la fin. J'avais essayé. En tout cas, je dois vous remercier d'avoir
réussit à maîtriser Colosse. Sans votre aide, mes cabots, on ne serait plus là à l'heure qu'il est. Je comprends rien à votre histoire de réacteur, du coup j'ai eu peur quand t'as dit que mes cavours étaient perdus. J'ai commencé à fabriquer le réacteur à fission néomagique pour le bien de mon peuple, mais au final, il ne leur a apporté que de la souffrance. Je ne mérite pas d'être superviseur. Je ne mérite pas de diriger ce royaume. Victor. Hey. Vous entendez ça? But I don't deserve to run this country, huh? I think the people might have something to say about that. President Vector, I came here originally to ask you something. You see, I'm trying to bring peace to our world. Real, lasting peace. But I will need your help to do it. Can I count on your support? Oh, I'm sure we can come to some kind of an arrangement. We'd need a preferential trade agreement, of course. Do you guys have an official technology partner? Vraiment là! Le contrôle, j'ai dû prendre la manette, je sais pas. Pour vous dire. Je vais prendre au complet, tout le long de Colosse. Tout est prêt de mon côté. Il n'y a aucune raison de retarder cette alliance. Allez, commençons tout de suite. Joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. So he's looking to bring back this horned one, and you're looking to stop him? Yes. And if we can join forces with the other kingdoms, we may just stand a chance. I see. And out of the big players, there's only Ding Dong Dell left now, huh? That could be difficult. Yes. But I can tell by your face, you're not gonna back down. Luckily, we'll be right behind you. You have my word as president of Broadleaf. Thank you so much. You'll be going with our new friends, Bracken? Yes, Mr. President. Just as you ordered. But is that really all right? Bracken's awfully important to your kingdom, isn't she? Sure, and she'll be important to yours too. I could hardly send some second-tier engineer to help our new partners now, could I? You heard the man. I'll be on hand for all your mechanical and technological needs from now on. From hair clips to airships, I'm your gal. So President Vector was freed from the grip of his obsession. And Broadleaf became the next country to sign up to the Declaration of Interdependence. And not only that, but Evan found a new friend in Bracken Meadows.
whose endless inventiveness was sure to help Evermore flourish as never before. Only one great nation now remained. Ding Dong Dell. So Lottie finally showed his true power. Yes, it was such a surprise. You never would have guessed from looking at him. And everything seems to be settling down in Broadleaf too. It does, yes. President Vector is back to his old self. I'm sure he'll put his people first from now on. And his friends will learn to trust him again soon enough. The bond between them is too strong for them to hold a grudge. I only hope that I can forge such firm friendships. I've a long way to go before people look up to me like they do Zip, though. I'm nothing like him. It takes all kinds of kings to make a world. I think you should just keep doing what you're doing. Perhaps you're right. Hey, Evan. Have you ever thought about what you'd do if someone really close to you betrayed you? What? Oh, I was just wondering. Forget I asked. This is what you need, right? So, you managed to acquire it. Not that I expected any less. You are nothing if not dependable. Yeah, that's me. We good to go then? Who's there? Crikey! Chapter 7, A Traitor in Our Midst. Bon, on est tranquille ici. De quoi tu voulais me parler? Désolé de vous embêter, patron, mais je pense qu'il faut que vous soyez au courant. La nuit dernière, j'ai vu par hasard Roland avec une personne bizarre à la capuche. Il était en train de s'échanger quelque chose. On aurait bien dit que Roland lui filait des renseignements sur nous. Lui, tu rigoles. Tu es sûr que t'as pas rêvé? Je vous jure que c'est vrai. Roland m'a même gris alors que j'essayais de les observer, il fait me faire zigouiller. J'ai un peu de mal à y croire, mais je vois pas pourquoi tu mentirais. Essaye d'enquêter un peu plus près, juste au cas où. Aïe! Merci. J'ai terminé la maintenance des équipements de recherche que vous m'avez demandé. J'en ai profité pour les améliorer aussi. Ils ne devraient plus tomber en panne avant un moment. Wow. Décidément, depuis que tu nous as rejoints, les progrès technologiques de notre royaume ont fait
un bon degré. Bien sûr, qu'est-ce que tu croyais? Je suis pas un ministre des technologies pour rien. Il est vrai que vous méritez tout à fait votre titre. Veuillez m'excuser de changer de sujet, mais nous n'avons toujours pas trouvé de moyen efficace pour inclure Carabas au traité de Denavan. Je sais bien, mais nous ne pouvons déjà pas approcher les cités sans risquer nos vies. Alors, fais le traité, je n'imagine même pas. Quand je pense que cela pourrait ressusciter à tout moment. Forgive me. À ce propos, mes amis, il y a une affaire dont je dois vous parler. Récemment, il y a eu quelques événements assez... Mais enfin, quel est ce vacarme? Hey, you guys! Room for one more? How's it going? Alors, ça plante pour vous, j'espère. Nous ne nous attendions pas à te voir débarquer à l'imprévisible. Qu'est-ce qui t'amène, Vector? Les réparations au sein de Mechabor sont pratiquement terminées, alors je me disais que je pouvais vous donner de l'aide. Et ma foi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pour sceller l'amitié entre nos deux royaumes, je suis venu vous prêter le mecha aéronef. What? Hein? Vous êtes sûr? Blimey! Ouais! Comme ça, on pourra emmener plein de gens avec nous et on pourra voler même s'il n'y a pas de vent. J'ai raison? Exactly! Oui, oui, bien entendu. Et que dire de... Son moteur fonctionnant sur une version miniaturisée du réacteur à fission néo-magique merveille. Une minute, si c'est bien l'aéronef auquel je pense. Il pique toujours autant les yeux. Ah, j'avais oublié ce gros détail. Je dois avouer qu'il manque légèrement de discrétion. Hey. Comment ça, la pique les yeux? Vous avez du vous écoutez rien. Esthétique et industriel, mais pas vrai. C'est vrai que la discrétion est primordiale. Really? Ah, pas toi aussi, Evan. Listen. Voyons Victor, ouf les yeux. Ce visage est un affront non pas seulement pour les yeux mais aussi pour les aérodynamistes. Come on. On va l'enlever vite, fait bien fait. Attends s'il te plaît, on peut négocier non petit. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Tu vois, je vais sauvegarder. Je sais pas pourquoi, quand elle dit qu'est-ce que tu ferais si t'es la personne dont tu as le plus confiance, tu trahirais. Je sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé à Roland. Ah, pour ça, c'est tout pour cette vidéo, cette aventure. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure parce que moi j'ai toujours pensé à la suite. Toujours. Ah, pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont les liens sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. À part ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni No Kuni 2. À part ça, je vous dis merci à tous.